Chapitre 3 de la partie 2. En 1766, survint la dernière métamorphose de Joseph Kirwan. Elle fut très soudaine et attira l'attention générale parmi les citadins intrigués. Car l'air d'incertitude et d'impatience tomba telle une vieille cape, faisant place aussitôt à l'exaltation mal dissimulée d'un parfait triomphe. Il semblait avoir du mal à s'empêcher de discourir en public sur ce qu'il avait découvert, appris ou fait. Mais apparemment, la nécessité du secret l'emporta sur l'envie de faire partager sa joie et il ne donna jamais aucune explication. Ce fut après cette transition survenue au début de juillet que le sinistre savant commença à stupéfier les gens par sa connaissance de faits que seuls les ancêtres morts depuis longtemps auraient pu lui communiquer. Mais les fébriles activités clandestines de Kirwan ne cessèrent pas pour autant. Au contraire, elles semblaient plutôt se développer, si bien que ses affaires maritimes incombèrent de plus en plus au capitaine qui lui était maintenant attaché par les liens d'une peur aussi puissante qu'elle avait été celle de la banqueroute. Il abandonna complètement le commerce des esclaves, prétendant que les bénéfices ne cessaient de diminuer. Il passait tout le temps qu'il pouvait à la ferme de Paltuxet, mais selon certaines rumeurs, on signalait par moments sa présence, sinon au voisinage des cimetières, du moins en des lieux qui avaient avec eux des rapports si étroits que les gens réfléchis se demandaient si le vieux marchand avait vraiment changé. Ezra Whedon, dont les périodes d'espionnage étaient forcément brèves et intermittentes à cause de ses voyages en mer, avait une opiniâtreté vindicative qui manquait en général à l'esprit pratique des citadins et des fermiers. Il soumit les affaires de Kirwan à l'examen le plus rigoureux qu'elles aient jamais subi. Beaucoup des manœuvres bizarres des vaisseaux de cet étrange marchand avaient paru justifiées par l'agitation d'une époque où tous les colons semblaient résolus à lutter contre les dispositions de la loi sur le sucre qui entravaient un commerce important. La contrebande et la fraude régnaient dans la baie de Narragansett, où les débarquements nocturnes de cargaisons illicites était courant en tout temps. Mais Whedon, en suivant nuit après nuit les gabarets et les petits sloops qu'il voyait quitter furtivement les entrepôts de Kirwan au dock de Town Street, acquit bientôt la certitude que le sinistre rôdeur ne se souciait pas seulement d'éviter les vaisseaux armés de Sa Majesté. Avant la métamorphose de 1766, des bateaux contenaient pour la plupart des N enchaînés, qui étaient conduits de l'autre côté de la baie et débarqués en un point inconnu du rivage juste au nord de Paltuxet, puis menés sur la hauteur et au travers la campagne jusqu'à la ferme de Kirwan, où on les enfermait dans cet énorme bâtiment de pierre qui n'avait pour toute fenêtre que des fentes hautes et étroites. Après cette métamorphose, pourtant, le programme fut entièrement modifié. L'importation d'esclaves cessa brusquement et pendant un certain temps, Kirwan renonçant à ses navigations nocturnes. Puis, vers le printemps de 1767, apparut une nouvelle politique. Une fois de plus, les gabarres quittèrent les docks obscurs et silencieux, mais désormais, elles allaient assez loin dans la baie, peut-être jusqu'à Namquit Point, où elle recevait les cargaisons d'étranges vaisseaux d'une taille considérable et d'aspects les plus divers. Puis les marins de Kirwan déposaient ces charges à l'endroit habituel du rivage et les transportaient par terre à la ferme, les enfermant dans le même mystérieux bâtiment de pierre qui recevait les N auparavant. La cargaison se composait presque entièrement de caisses et de coffres dont la plupart, oblongs et pesants,
évoquaient sinistrement des cercueils. Whedon surveillait toujours la ferme avec une inlassable assiduité. Il y alla toutes les nuits pendant de longues périodes et laissa rarement passer une semaine sans y jeter un coup d'œil, sauf quand le sol, couvert de neige, eût pu révéler l'empreinte de ses pas. Même alors, il s'aventurait souvent aussi près que possible par la route très fréquentée ou sur la glace de la rivière proche pour examiner les traces que d'autres avaient pu laisser. Contraint de suspendre son propre guet par ses obligations de marin, il engagea un compagnon de taverne nommé Eleazar Smith pour assurer la surveillance en son absence. Il aurait pu à eux deux répandre des rumeurs extraordinaires. S'il n'en fait rien, ce fut seulement pour éviter la publicité qui mettrait en garde leur gibier et les empêcherait d'aller plus loin. Or, il leur fallait acquérir des certitudes avant d'entreprendre aucune action. En fait, ils durent apprendre des choses stupéfiantes et Charles Ward dit plusieurs fois à ses parents combien il regrettait que Whedon eût brûlé plus tard ses carnets. Tout ce qu'on sait de leur découverte reste ce qu'en nota Eleazar Smith dans un journal intime assez incohérent et ce que répétèrent timidement d'autres auteurs de journaux et de lettres d'après leur dernière déclaration. Selon lesquels la ferme ne serait que l'enveloppe extérieure d'une immense et abominable menace dont l'étendue et la profondeur ne sauraient être qu'obscurément appréhendées. Il en ressort que Whedon et Smith furent très tôt persuadés que sous la ferme s'étendait tout un réseau de tunnels et de catacombes où vivaient, en plus du vieil Indien et de sa femme, un personnel considérable. La maison au toit pointu était un vieux reste du milieu du 17e siècle, avec une énorme souche de cheminée et des fenêtres treillisées aux vitres en losange, le laboratoire se trouvant dans un appentis exposé au nord, à l'endroit où le toit rejoignait presque le sol. Ce bâtiment était à l'écart de tous les autres. Néanmoins, à n'en juger par les voix différentes qu'on y entendait à des heures indues, il devait être accessible par des secrets passages souterrains. Ces voix, avant 1766, n'étaient que marmonnements, soupirs et cris frénétiques des N, Collis, associés à de curieuses invocations ou psalmodies. Après cette date, elles prirent un caractère singulier et terrible, passant par toute la gamme de bourdonnements de mornes assentiments et d'explosions de douleur ou de fureur folle. La rumeur des conversations ou les gémissements suppliants, les allaitements d'impatience et les protestations bruyantes. Elles s'exprimaient en différentes langues, toutes connues de Kerouen, dont on reconnaissait souvent le ton âpre dans ses répliques, ses reproches, ses menaces. Il semblait parfois qu'il y eût plusieurs personnes dans la maison. Kerouen, certains captifs et leurs gardiens. Il y avait des accents que ni Whedon ni Smith n'avaient jamais entendus, malgré leur large expérience de l'étranger, et beaucoup d'autres dont ils avaient pu identifier l'appartenance à telle ou telle nationalité. Les conversations ressemblaient toujours à une sorte d'interrogatoire, comme si Kerouen arrachait des informations à des prisonniers terrifiés ou rebelles. Whedon avait noté dans son carnet des passages textuels de propos surpris, car l'anglais, le français, l'espagnol qu'il connaissait étaient fréquemment utilisés. Mais du reste, rien n'a subsisté. Il disait toutefois qu'à part quelques
quelques dialogues macabres où étaient évoquées les affaires passées des familles de Providence, la plupart des questions et réponses qu'il pouvait comprendre touchaient des sujets historiques ou scientifiques relatifs à des lieux et des époques fort éloignées. Une fois, par exemple, un personnage alternativement furieux et morose fut interrogé en français sur le massacre du prince noir à Limoges en 1370, comme s'il y avait eu quelques raisons secrètes qu'il devait connaître. Kirwan demanda aux prisonniers si prisonniers il y avait, si l'ordre de tuer avait été donné à cause du signe du bouc découvert sur l'autel dans l'ancienne crypte romaine sous la cathédrale, ou bien parce que l'homme noir des assemblées de sorcières de Haute-Vienne avait prononcé les trois paroles. N'ayant pu obtenir de réponse, l'inquisiteur avait dû recourir à des moyens extrêmes, car il y eut un hurlement effroyable, suivi d'un silence, d'un grommellement et d'un coup sourd. Aucun de ces colloques n'eut jamais de témoins oculaires, car les fenêtres restaient toujours hermétiquement masquées. Une nuit pourtant, au cours d'un entretien dans une langue inconnue, une ombre se profilant sur le rideau saisit Whedon très vivement. Elle lui rappela l'une des figurines d'un spectacle qu'il avait vu à Hatcher Hall pendant l'automne de 1764, au cours d'une ingénieuse représentation de marionnettes donné par un homme de Germantown, Pennsylvanie, sous le titre « Vue de la célèbre cité de Jérusalem, en laquelle sont représentés Jérusalem, le temple de Salomon, son trône royal, les fameuses tours et collines, ainsi que les tourments de notre Sauveur depuis le jardin de Gethsémani jusqu'au calvaire sur le mont du Golgotha, une belle pièce de sculpture digne d'intéresser les curieux. » C'est alors que l'auditeur, qui s'était glissé près de la fenêtre de la salle d'entrée d'où venaient les bruits de voix, alerta par son sursaut le vieux couple indien qui lâcha les chiens sur lui. Par la suite, on n'entendit plus jamais de conversation dans la maison d'où Whedon et Smith conclurent que Kirwan avait transféré son champ d'action aux régions souterraines. Car elles existaient en effet, ainsi que divers indices semblaient l'établir clairement. Des cris et des gémissements étouffés montaient de temps en temps à autre, indiscutablement du sol apparent. Des cris et des gémissements étouffés montaient de temps à autre, indiscutablement du sol, apparemment plein et à l'écart de toute construction. En outre, on découvrit caché dans les buissons au bord de la rivière, à l'arrière, là où les hautes terres s'abaissaient en pente raide jusqu'à la vallée du Patuxet, une porte de chêne voûtée, encastrée dans une lourde maçonnerie, qui donnait évidemment accès aux cavernes sous la colline. Quand et comment avait-on construit ces catacombes? Whedon n'aurait su le dire. Mais il souligna fréquemment que des équipes d'ouvriers pouvaient aisément s'y rendre sans être vus en venant de la rivière. Joseph Kirwan faisait vraiment faire à ses marins métis de singulières besognes. Pendant les grosses pluies du printemps en 1769, les deux guetteurs gardèrent un œil attentif sur les rives escarpées à l'affût des secrets souterrains qui pourraient être mis au jour par les eaux et se virent récompensés par une profusion d'ossements humains et d'animaux aux endroits où les berges avaient été profondément ravinées. Naturellement, on y pouvait trouver bien des explications derrière une ferme d'élevage et des régions où les vieux cimetières indiens étaient nombreux, mais Whedon et Smith tirèrent leurs propres conclusions.
En janvier 1770, tandis qu'il s'interrogeait toujours en vain sur ce qu'il fallait éventuellement penser ou faire à propos de cette affaire déconcertante, survint l'incident du Fort Alessa. Exaspéré par l'incendie du sloop des douanes Liberty à Newport pendant l'été précédent, la flotte de la douane commandée par l'amiral Wallace avait renforcé son contrôle des vaisseaux étrangers et ainsi le Cygnet goéliait armé de Sa Majesté sous les ordres du capitaine Charles Leslie captura un matin de bonne heure, après une courte poursuite, la barge Fortaleza de Barcelone, Espagne. Capitaine Manuel Arruda partit selon son livre de bord du Grand Caire, Égypte, à destination de Providence. Alors, quand on fouilla le navire pour y chercher des marchandises de contrebande, on s'aperçut avec stupeur que sa cargaison se comptait uniquement de momies égyptiennes adressées aux matelots A, B, C, qui devaient venir en prendre livraison dans une gabarre au large de Lampquit Point et dont le capitaine Arruda se sentait tenu par l'honneur de ne pas révéler l'identité. Le tribunal de la vice-amirauté à Newport, ne sachant que faire, étant donné d'une part la nature de la cargaison, étrangère à la contrebande, et de l'autre le secret illégal de son entrée, trouva un compromis sur le conseil du collecteur d'impôts Robinson, en relâchant le bateau avec interdiction de mouiller dans les eaux du Rhode Island. On prétendit plus tard l'avoir vu aux abords de Boston, mais il n'entra jamais ouvertement dans le port. Cet incident bizarre ne manqua pas de susciter un vif intérêt à Providence, où l'on n'avait guère de doute sur l'existence d'un possible rapport entre la cargaison de momies et le sinistre Joseph Curwen. Ces études exotiques, ces singulières importations de produits chimiques étant de notoriété publique et son goût des cimetières publiquement soupçonné, il ne fallait guère non plus d'imagination pour lui attribuer une importation insolite qui ne pouvait vraisemblablement s'adresser à personne d'autre en ville. Comme s'il avait eu conscience de cette évidente conviction, Kerwin ne perdait pas une occasion de souligner l'utilité chimique des baumes trouvés dans les momies, pensant peut-être rendre l'entreprise plus admissible sans pourtant y reconnaître sa participation. Whedon et Smith, naturellement, n'eurent aucun doute sur ce que tout cela signifiait et se lancèrent dans les hypothèses les plus extravagantes sur Kerwin et ses monstrueux travaux. Au printemps suivant, il y eut de fortes pluies comme l'année précédente, et les guetteurs observèrent attentivement la berge de la rivière derrière la ferme de Curwen. Les eaux firent de larges trouées, laissant apparaître quelques ossements, mais sans rien révéler de probant quant à des salles ou une circulation souterraine. Toutefois, un bruit courait au village de Pawtuxet, à 1 mile en aval, où la rivière forme une chute par-dessus une terrasse rocheuse avant de rejoindre la paisible crique encaissée. Là où les vieilles chaumières pittoresques escaladent la colline après le pont rustique et où les bateaux de pêche restent à l'ancre dans leur bassin somnolent,
Il se répandit une vague rumeur d'objets flottants qui, descendant de la rivière, auraient été aperçus un instant quand ils franchissaient les chutes. Certes, le Pawtuxet est une longue rivière qui serpente à travers beaucoup de régions peuplées où les cimetières sont très nombreux. Et certes, les pluies de printemps avaient été torrentielles. Mais les pêcheurs près du pont n'apprécièrent pas le regard fou que l'un des corps flottants leur jeta en retombant brutalement dans l'eau tranquille, ou le faible cri d'un autre dont l'état ne rappelait guère celui d'un corps capable de crier. Apprenant cette nouvelle, Smith, car Weddon était alors en mer, gagna en hâte la berge derrière la ferme où devait rester l'épreuve d'un important éboulement. Mais il n'y avait pas trace de passage dans la rive abrupte, car l'avalanche en miniature avait laissé derrière elle un mur massif de terre mêlé d'arbustes déracinés. Smith tenta de creuser autant qu'il le put, mais se découragea devant l'échec de ses efforts. Ou peut-être dans la crainte qu'il n'aboutisse, on peut se demander ce qu'aurait fait l'opiniâtre et vindicatif Whedon s'il avait été à terre à ce moment-là. Partie 4. Chapitre 4, pardon. À l'automne de 1770, Whedon décida que le temps était venu de faire part à d'autres de ses découvertes, car il disposait d'une quantité de faits à mettre en corrélation et d'un second témoin oculaire pour répondre à ceux qui l'accuseraient d'avoir laissé la jalousie et l'esprit de vengeance échauffer son imagination. Il choisit comme premier confident le capitaine James Matthewson de l'Enterprise, qui d'une part le connaissait assez pour ne pas douter de sa véracité, et d'autre part avait assez d'influence dans la ville pour être écouté avec respect. L'entretien eut lieu dans une salle à l'étage de la taverne de Sabib, près des docks, en présence de Smith, qui confirmerait éventuellement chaque déclaration. Le capitaine Matthewson fut visiblement profondément impressionné. Comme à peu près tout le monde en ville, il nourrissait lui-même de noirs soupçons touchant Joseph Kerwin. Il ne fallait donc que cette confirmation et ce supplément de données pour le convaincre absolument. À la fin de la conférence, il se montra très grave et enjoignit aux deux jeunes gens de garder un silence absolu. Il transmettrait, dit-il, l'information à chacun, en particulier des 10 ou quelques citoyens les plus instruits et les plus éminents de Providence. Pour connaître leur opinion et suivre les conseils qu'ils pourraient suggérer, le secret serait certainement essentiel de toute façon, car ce n'était pas une affaire dont pouvait se charger la police ou la milice municipale. Et par-dessus tout, il fallait tenir dans l'ignorance la foule prompte à s'exciter pour éviter une répétition en ces temps déjà troublés de la terrible panique de Salem qui, moins d'un siècle auparavant, avait mené ici Kerwin pour la première fois. Pardon. Les personnes à prévenir, pensait-il, seraient le docteur Benjamin West, dont l'opuscule sur le récent transit de Vénus prouvait le savoir et la pénétration, le révérend James Manning, recteur de l'université qui, arrivant de Warren, était logé provisoirement dans la nouvelle école de King Street en attendant l'achèvement de ses locaux sur la colline au-dessus de Presbyterian Lane. L'ancien gouverneur Stephen Hopkins, qui avait été membre de la Société philosophique de Newport et était homme de grand discernement. John Carter, éditeur de la Gazette. Les quatre frères Brown, Jones
John, Joseph, Nicholas et Moses. Magnat reconnu de la ville, Joseph était un savant amateur de grand talent. Le vieux docteur Jabez Bowen, d'une érudition considérable et qui possédait maintes informations de première main sur les bizarres achats de Curwen. Et le capitaine Abraham Whipple, corsaire d'une hardiesse et d'une énergie phénoménale sur qui l'on pouvait compter pour prendre l'initiative des mesures qui s'imposaient. Ces hommes, s'ils réagissaient favorablement, pourraient se réunir ensuite pour tenir conseil ensemble et la responsabilité leur incomberait de décider si oui ou non on informerait le gouverneur de la colonie, Joseph Wanton de Newport, avant de passer à l'action. La mission du capitaine Matthewson réussit au-delà de ses plus hautes espérances, car s'il rencontra chez un ou deux de ses confidents élus, un certain scepticisme quant aux aperçus terrifiants du récit de Whedon, tous jugèrent nécessaire de mener une action secrète et coordonnée. Curwen, c'était clair, constituait une obscure menace contre le bien de la ville et de la colonie. Il fallait l'éliminer à tout prix. À la fin de décembre 1770, un groupe de notables se retrouva chez Stephen Hopkins pour discuter des mesures à envisager. On lut soigneusement les notes que Whedon avait remises au capitaine Matthewson, puis lui et Smith furent convoqués pour confirmer certains détails. Avant la fin de la conférence, l'Assemblée se sentit en proie à une sorte de crainte, mais il s'y mêlait une farouche détermination que les jurons énergiques et sonores du capitaine Whipple exprimèrent parfaitement. On n'avertit pas le gouverneur car il fallait pouvoir recourir à des démarches extra-légales. Curwen, disposant apparemment du pouvoir caché dont on ignorait les limites, on ne pouvait sans risque lui signifier d'avoir à quitter la ville. Des représailles imprévues s'ensuivraient peut-être, et même si le sinistre personnage se soumettait, son déplacement ne ferait rien de plus que porter ailleurs un immonde fardeau. L'époque était anarchique, et ceux qui se riaient depuis des années de la police douanière du roi n'étaient pas hommes à reculer devant des tâches plus sévères si le devoir l'exigeait. Curwen devait être pris par surprise dans sa ferme du Pawtuxet par un groupe de corsaires endurcis et on lui donnerait une ultime chance de s'expliquer. Si c'était un fou qui s'amusait de cris et de conversations imaginaires en imitant différentes voix, il serait enfermé comme il se doit. Si les choses étaient plus graves et que les horreurs souterraines s'avéraient bien réelles, lui et les siens devaient mourir. Cela pouvait se faire sans bruit, et même sa veuve et son beau-père n'apprendraient pas forcément ce qui s'était passé. Tandis qu'on discutait de ces graves décisions, il se produisit dans la ville un incident si terrible, si inconcevable, que pendant longtemps, on ne parla plus que de cela à plusieurs miles à la ronde. En pleine nuit de janvier, alors que la lune éclairait un épais tapis de neige, s'élevèrent sur la rivière et la colline une succession de cris atroces qui mirent à toutes les fenêtres des têtes mal réveillées, et les gens des environs de Weybasset Point virent une grande forme blanche courir désespérément sur le terrain mal défriché en face de la tête de Turc. Il y eut au loin des abois de chiens qui s'apaisaient aussitôt que la rumeur de la ville éveillée se fit entendre. Des groupes d'hommes munis de lanternes et de mousquets se précipitèrent pour voir ce qui était arrivé, mais ils ne trouvèrent rien. Le lendemain matin, cependant, un corps gigantesque, musclé, complètement nu, fut découvert sur les glaces accumulées autour des piles sud du grand port, là où le long dock s'étend près de la distillerie Abbott
Et l'identité du cadavre devint le thème d'interminables discussions et chuchotements. Ce n'étaient pas tant les jeunes que les vieux qui chuchotaient, car seuls les patriarches s'étaient rappelés quelque chose devant ce visage rigide aux yeux exorbités de terreur. Eux qui échangeaient en tremblant des murmures furtifs de stupéfaction et de peur, car ces traits figés, hideux, révélaient une ressemblance si extraordinaire qu'elle était presque une identité, identité avec un homme mort depuis plus de 50 ans. Ezra Whedon assista à la découverte et, se rappelant les aboiements de la nuit précédente, il suivit Way Bossett Street et traversa le pont de Muddy Dock d'où les cris étaient partis. Sa curiosité était en éveil et il ne fut pas surpris en arrivant au bout du district habité où la rue débouche sur la route de Pawtuxet de discerner de bien curieuses traces dans la neige. Le géant nu avait été poursuivi par des chiens avec plusieurs hommes bottés et l'on pouvait aisément suivre au retour les pas des bêtes et de leurs maîtres. Ils avaient abandonné leur chasse parce qu'elle les menait trop près de la ville. Whedon sourit férocement et, par acquis de conscience, remontant la piste jusqu'à son origine. C'était bien la ferme de Joseph Kerwin comme il s'y attendait. Il aurait donné cher pour que la cour soit moins piétinée. Quoi qu'il en soit, il n'osa pas l'observer trop ostensiblement en plein jour. Le docteur Bowen, auquel il allait faire aussitôt son rapport, procéda à l'autopsie de l'étrange cadavre et y découvrit des anomalies stupéfiantes. Le système digestif de l'homme géant semblait n'avoir jamais servi. Tandis que la peau avait une texture lâche et grossière qu'il ne pouvait s'expliquer. Frappé de ce qu'avaient murmuré les vieux à propos de sa ressemblance avec le forgeron Daniel Green, mort depuis longtemps et dont l'arrière-petit-fils, Aaron Hoppin, était un subrécargue au service de Kerwin, Whedon posa des questions comme par hasard pour savoir où Green avait été enterré. Cette nuit-là, 10 hommes se rendirent au vieux cimetière du Nord, en face d'Eridan's Lane, et ouvrirent une tombe. Ils la trouvèrent vide, comme ils s'y attendaient précisément. On avait pris entre-temps des dispositions avec le poste à cheval pour intercepter le courrier de Joseph Kerwin, et peu de temps avant l'incident du cadavre nu, on découvrit une lettre d'un certain Jedediah Horn de Salem qui donnait beaucoup à penser aux citoyens solidaires. Des passages en furent copiés et conservés dans les archives privées de la famille Smith, où Charles Ward les retrouva. La fameuse lettre. Je me réjouis d'apprendre que vous continuez à vous procurer à votre guise des choses d'autrefois, et je ne crois pas qu'on fit mieux chez Monsieur Hutchinson à Salem Village. Assurément, il n'était rien que redoutable abomination dans ce que H a fait surgir de ce qu'il n'avait pu réunir qu'imparfaitement. Votre envoi n'a point opéré. Soit qu'il y manquait quelque chose, soit que vos mots aient été mal prononcés par moi ou mal copiés. Seul, je me vois fort empêché. Je n'ai pas le savoir qu'il faut en chimie pour suivre Borellus, et je m'avoue déconcerté par le 7e livre du Necronomicon que vous recommandez. Mais je veux vous rappeler ce qui nous a été dit quant au choix de celui que nous évoquons, car vous avez connaissance de ce qu'écrit M. Mather dans le Magnalia de... C'est censuré. Et pouvez juger combien est véridique la relation de cette abomination. Je vous le dis encore, n'évoquez rien que vous ne puissiez dominer.
J'entends aucun qui puisse à son tour évoquer quelque chose contre vous, par quoi vos formules les plus puissantes seraient réduites à néant. Adressez-vous aux inférieurs, de peur que les grands ne veulent pas répondre et n'exigent plus que vous. J'ai eu grand-peur en lisant que vous saviez ce que tient Ben Zariat Namik et son coffret d'ébène, car j'ai compris qui vous l'avait dû dire. Et je vous prie encore de m'écrire au nom de Jedediah et non de Simon. Dans cette communauté, un homme ne peut pas vivre trop longtemps, et vous connaissez mon plan qui m'a fait revenir comme étant mon fils. Okay. Je désire que vous me fassiez connaître ce que l'homme noir a appris de Sylvanus Cossidius dans la crypte, sous le mur romain, et vous serez très obligé de me prêter le manuscrit dont vous parlez. Une autre lettre, anonyme, venue de Philadelphie, ne suscita pas moins de réflexions, et particulièrement le passage suivant. Je me conformerai à votre demande de n'envoyer les comptes que par vos vaisseaux, mais je ne sais pas toujours avec certitude quand les attendre. Pour l'affaire en question, il ne me manque qu'une chose, mais je veux être assuré de vous comprendre exactement. Vous me dites que nulle partie ne doit manquer si l'on veut obtenir les meilleurs effets, mais vous ne pouvez ignorer combien il est difficile d'en être sûr. Ce paraît un grand risque et fardeau d'emporter tout le coffre et en ville, à savoir Saint-Pierre, Saint-Paul, Sainte-Marie et Christchurch. Cela ne peut aucunement se faire, mais je sais quelle imperfection était en celui que je fis revenir en octobre dernier et combien de spécimens vivants vous avez dû utiliser avant de rencontrer la juste méthode en l'année 1766. Aussi me laisserai-je guider par vous en toutes choses. J'attends impatiemment votre brique et m'en enquiert chaque jour au quai de Mr. Biddle. OK, là, ça s'en vient étrange. Une troisième lettre suspecte était rédigée dans une langue et même un alphabet inconnu. Le journal de Smith, trouvé par Charles Ward, donnait une copie maladroite d'une seule combinaison de caractères, maintes fois répétée, et les spécialistes de l'Université Brown ont reconnu l'alphabet amharique ou abyssin sans pourtant comprendre le mot. Aucune de ces épîtres ne fut jamais remise à Curwen, mais quand on apprit peu après que Jedediah Horne avait disparu de Salem, ce fut la preuve que les conjurés de Providence savaient agir sans bruit. La Société historique de Pennsylvanie possède aussi de curieuses lettres reçues par son président, le Dr. Shippen, au sujet d'un personnage indésirable présent à Philadelphie. Mais des mesures plus décisives étaient dans l'air, et c'est dans les assemblées secrètes où se retrouvaient aux entrepôts des Brown, les vieux corsaires fidèles et des marins éprouvés et engagés sous serment, qu'il faut chercher les fruits essentiels des découvertes de Whedon. Lentement et sûrement, s'élaborait un plan de campagne qui ne laisserait pas trace des dangereux mystères de Joseph Curwen. Lui, malgré toutes les précautions, semblait flairer quelque chose, car on lui trouvait maintenant, contrairement à son habitude, une mine soucieuse. On voyait à toute heure son carrosse en ville sur la route de Pawtuxet, puis il perdit peu à peu l'expression de cordialité affectée dont il avait usé pour vaincre les préventions des citadins. Les plus proches voisins de sa ferme, les Fenner, remarquèrent une nuit dans le ciel un grand faisceau de lumière qui jaillissait de quelques ouvertures dans le toit du mystérieux bâtiment de pierre aux fenêtres hautes, excessivement étroites. Ils communiquèrent aussitôt l'incident à John Brown à Providence. Mr. Brown, devenu le chef exécutif du groupe fermé qui avait résolu la perte de Curwen, avait informé les Fenner qu'une action allait être entreprise. Il l'avait jugé nécessaire puisqu'il serait forcément témoin de l'assaut final. Et il expliqua son projet en disant que Curwen était connu comme espion des employés de la douane de Newport, contre lesquels s'insurgeaient ouvertement ou clandestinement tous les armateurs, marchands et fermiers de la Providence.
La ruse avait-elle entièrement convaincu les voisins qui avaient déjà vu tant de choses bizarres? On ne sait. Mais ils étaient prêts, de toute façon, à charger de n'importe quel méfait un homme aux mœurs si étranges. Mr. Brown leur avait confié le soin de surveiller la ferme et de lui rapporter régulièrement tout ce qui s'y passerait. Chapitre 5. L'idée que Kirwan, désormais sur ses gardes, allait tenter une opération exceptionnelle, comme le suggérait l'étonnant faisceau lumineux, précipita enfin l'action si soigneusement préparée par le groupe des citoyens réfléchis. Selon le journal de Smith, une troupe d'une centaine d'hommes se réunit le vendredi 12 avril 1771, à 10 h du soir, dans la grande salle de la taverne de Thurston, à l'enseigne du Lion d'Or, à Weybusset Point, de l'autre côté du pont. Dans le groupe, directeur des notables, en plus de leur chef John Brown, étaient présents le docteur Bowen et sa trousse d'instruments chirurgicaux, le président Manning sans l'énorme perruque, la plus grande des colonies, qui l'avait rendu célèbre, le gouverneur Hopkins drapé de sa cape sombre et accompagné de son frère Essex, le marin qu'il avait mis dans la confidence au dernier moment avec l'assentiment des autres, John Carter, le capitaine Matthewson et le capitaine Whipple, qui devaient diriger l'attaque proprement dite. Ces autorités conférèrent à part dans une arrière-salle, après quoi le capitaine Whipple revint dans la pièce principale, prodiguer aux marins réunis ses derniers jurons et instructions. Eleazar Smith se trouvait avec les chefs dans l'arrière-salle, attendant l'arrivée d'Ezra Whedon, dont la mission était de surveiller Kirwan et de venir annoncer le départ de sa voiture pour la ferme. Vers 10 h 30, on entendit un roulement pesant sur le grand pont, suivi d'un bruit de voiture dans la rue, et dès lors, il n'était plus besoin d'attendre Whedon pour savoir que le condamné venait de partir dans sa dernière nuit de sorcellerie impie. Un moment plus tard, tandis que la voiture s'éloignait en un faible claquement de sabots sur le pont de Muddy Duck, Whedon arriva. Les conjurés s'alignèrent silencieusement en bon ordre dans la rue, portant sur l'épaule les fusils à pierre, carabines ou harpons de baleiniers qu'ils avaient apportés. Whedon et Smith étaient avec eux, et parmi les citoyens qui avaient tenu conseil étaient passés au service actif le capitaine Whipple, le chef, le capitaine Essex Hopkins, John Carter, le président Manning, le capitaine Matthewson et le docteur Bowen, avec aussi Moses Brown, qui les avait rejoints à la 11e heure sans assister à la réunion préliminaire de la taverne. Tous ces citoyens et leurs 100 matelots se mirent en marche sans plus attendre, sévères et non sans un peu d'appréhension, en laissant derrière eux le maudit dock, et en montant la pente douce de Broad Street vers la route de Pawtuxet. Juste après l'église d'Elder Snow, quelques-uns se retournèrent pour jeter un dernier regard sur Providence qui s'étendait sous les premières étoiles printanières. Les clochers et les pignons dressaient leurs silhouettes sombres et belles, et la brise salée soufflait doucement de la crique au nord du pont. Vega montait au-dessus de la grande colline, de l'autre côté de l'eau, dont le faîte des arbres était coupé par le profit d'un toit, celui de l'université inachevé, au pied de la colline et le long des étroites ruelles qui escaladaient son versant, la vieille cité rêvait. La vieille Providence, dont une malédiction si formidable et monstrueuse allait être balayée pour sa sécurité et sa santé mentale. Je couchais pas tôt, ben là, il est quand même juste 9 h, là. Je vais me coucher, je pensais aux alentours de minuit. Hein. Gros max minuit.
Allô rétro. Ouais, je fais un peu de lecture. Ça va me fatiguer, puis je vais pouvoir aller me coucher. Tôt. Ouais, mais c'est mieux que genre 4 h du matin, là. Pour moi, minuit, c'est tôt, là. Une heure et quart plus tard, les conjurés arrivèrent à la ferme des Fenner comme il était convenu. On leur fit un dernier rapport sur leur future victime. Il avait gagné sa ferme environ une demi-heure plus tôt, et l'étrange lumière était aussitôt apparue dans le ciel. Mais aucune autre n'était visible aux fenêtres. C'était toujours ainsi ces derniers temps. Au moment même où l'on apprenait ces nouvelles, une autre lueur fulgurante monta vers le sud. Et tous comprirent qu'ils étaient vraiment parvenus sur le théâtre de prodigues inimaginables et terrifiants. Le capitaine Whipple répartit alors ses effectifs en trois groupes. L'un de 20 hommes, sous les ordres d'Eleazar Smith, devait rejoindre le rivage et garder le débarcadère contre de possibles renforts pour Kerwin. Jusqu'à ce qu'on les rappelle en cas d'extrême urgence, un second de 20 hommes aux ordres du capitaine Essex Hopkins se glisserait dans la vallée derrière la ferme de Kerwin et démolirait à la hache ou à la poudre à canon la porte de chêne dans la haute berge abrupte, et le troisième encerclerait la maison et les bâtiments adjacents. De ce groupe, le capitaine Matthewson mènerait un tiers au mystérieux bâtiment de pierre aux longues fenêtres étroites. Un autre tiers suivrait le capitaine Whipple lui-même à la maison d'habitation, et le dernier tiers cernerait toute la ferme en attendant l'appel d'un dernier signal d'alarme. Le groupe de la rivière démolirait la porte sur un seul coup de soufflet, de sifflet, pardon, puis attendrait en capturant tout ce qui viendrait de l'intérieur. Deux coups lui feraient franchir l'ouverture pour s'opposer à l'ennemi ou rejoindre le reste des assaillants. Ceux du bâtiment de pierre répondraient à ces signaux de manière analogue, forçant l'entrée au premier coup et s'engageant au second dans tout passage souterrain éventuellement découvert pour se joindre à la lutte générale ou locale qu'on prévoyait dans les cavernes. Enfin, un signal d'alarme de trois coups de sifflet rappellerait la réserve de secours qui montait la garde. Ces 20 hommes se répartiraient en deux groupes pour envahir à la fois les profondeurs inconnues de la ferme et du bâtiment de pierre. Pour le capitaine Whipple, l'existence des catacombes ne faisait pas de doute. Il n'envisageait pas d'autre alternative en élaborant ses plans. Il avait sur lui un sifflet fort et strident. Il ne redoutait dans ses signaux ni défaillance ni malentendu. La réserve du débarcadère restant évidemment hors de portée du sifflet, il faudrait envoyer un messager spécial en cas de besoin. Moses Brown et John Carter iraient à la rivière avec le capitaine Hopkins, tandis que le président Manning était détaché au bâtiment de pierre avec le capitaine Matthewson. Le docteur Bowen ainsi qu'Ezra Whedon resteraient dans l'équipe du capitaine Whipple qui devait prendre assaut la maison elle-même. L'attaque commencerait sitôt qu'un messager du capitaine Hopkins aurait rejoint le capitaine Whipple pour lui confirmer que la troupe du débarcadère était prête. Le chef enverrait alors le premier appel strident et les diverses avant-gardes déclencheraient leur assaut simultané sur les trois points. Peu avant 1 h du matin, les trois groupes quittèrent la ferme des Fenner, l'un pour garder le débarcadère, un autre pour surveiller la vallée et la porte de la berge,
le troisième qui se partageait la garde des bâtiments de la ferme de Kerwin. Eleazar Smith, qui conduisait la troupe du rivage, relate dans son journal une marche sans incident et une longue attente sur la hauteur près de la baie. Brusquement rompu par le son lointain d'un coup de sifflet, puis un singulier mélange étouffé de grondements, de cris et d'explosions qui semblaient venir de la même direction. Ensuite, un homme crut distinguer des coups de feu, et peu après, Smith lui-même perçut la vibration de paroles tonitruantes et formidables qui résonnaient au plus haut des airs. Juste avant l'aube, survint un seul messager. Exténué, aux yeux fous, les vêtements imprégnés d'une odeur inconnue et hideuse, qui pria les hommes du détachement de se disperser pour rentrer tranquillement chez eux, sans plus jamais penser ni faire allusion aux événements de la nuit, ni à celui qui avait été Joseph Kerwin. On ne sait quoi dans l'attitude du messager avait une force de conviction que n'aurait jamais pu transmettre ses seules paroles. Quoique ce fût un marin que presque tous connaissaient bien, il avait obscurément perdu ou gagné quelque chose dans son âme qui en faisait à tout jamais un être à part. Il en fut de même quand ils retrouvèrent d'autres vieux compagnons qui avaient pénétré dans cette zone d'horreur. Ils avaient pour la plupart perdu ou gagné une chose impondérable et indicible. Ils avaient vu, entendu ou senti ce qui n'était pas fait pour des humains et ne pouvaient pas l'oublier. Il y eut de leur part aucun bavardage, car même au plus ordinaire des instincts humains, il est de terribles frontières. Et de ce seul messager passa aux gardes du rivage une terreur inexprimable qui mit presque un sceau sur leurs propres lèvres. Très rares furent les rumeurs qui vinrent d'aucun d'entre eux, et le journal d'Eleazar Smith est le seul témoignage écrit de toute l'expédition qui, à l'enseigne du Lion d'Or, se mit en route sous les étoiles. Charles Ward découvrit, cependant, de vagues commentaires dans une correspondance des Fenner, les voisins, trouvée à New London, où il savait qu'une autre branche de la famille avait vécu. Il en ressort que les Fenner, qui voyaient de chez eux la ferme condamnée, avaient regardé partir les colonnes d'assaillants et entendu très nettement les aboiements furieux des chiens de Kerwin, puis le premier coup de sifflet qui déclencha l'attaque. Après quoi, le grand faisceau de lumière avait jailli de nouveau du bâtiment de pierre et, un moment plus tard, le second signal ayant ordonné une invasion générale, il y avait eu un crépitement amorti de mousqueterie suivi d'un hurlement atroce que le correspondant Luke Fenner avait représenté dans son épître par des mots « War, war. » Ça, c'est vraiment ce qui est écrit. Ce cri était d'une nature que l'écriture ne saurait rendre, et le témoin ajoutait que sa mère s'en était évanouie. Il se répéta ensuite moins fort, et l'on n'entendit plus que les bruits étouffés des coups de feu, en même temps qu'une forte explosion venant de la rivière. Au bout d'une heure, environ tous les chiens se mirent à aboyer effroyablement, et l'on perçut des grondements souterrains si prononcés que les chandeliers vacillèrent sur la cheminée. On remarqua une forte odeur de soufre, et le père de Luke Fenner déclara qu'il avait entendu siffler le troisième signal d'urgence, bien que les autres ne se soient pas aperçus. Le bruit de mousqueterie reprit au loin, suivi d'un long cri, moins perçant mais plus affreux encore que ceux qui l'avaient précédé. Une sorte de toux ou de borborygme guttural, ignoblement modulé, qui tenait plus du cri par sa continuité et sa signification psychologique que par ses réels caractères acoustiques.
Alors, la créature flamboyante fit son apparition, là où devait se trouver la ferme de Kerwin, et l'on entendit des cris humains de désespoir et de frayeur. Les mousquets crachèrent éclairs et détonations, et la créature de feu tomba sur le sol. Une seconde créature apparut, et on perçut nettement un cri perçant d'origine humaine. Fenner écrit lui-même qu'il put recueillir quelques mots éructés avec frénésie. « Tout-puissant, protège ton agneau! » Puis il y eut d'autres coups de feu, et la seconde créature tomba. Suivit un silence d'environ 3 quarts d'heure. À la fin, le petit Arthur Fenner, frère de Luc, s'écria qu'il voyait au loin un brouillard rouge, monté vers les étoiles au-dessus de la ferme maudite. Nul autre que l'enfant ne put en témoigner. Mais Luke vit une coïncidence significative dans la panique de terreur quasi convulsive qui au même instant arqua le dos et hérissa le poil des 3 chats qui se trouvaient dans la pièce. 5 minutes plus tard, un vent glacial se leva et l'air fut imprégné d'une intolérable puanteur. Seule la fraîche puissance de la mer put empêcher les gardes du rivage ou les rares habitants éveillés à Pawtuxet de la remarquer. Personne chez les Fenner n'en avait jamais senti de pareil, et elle inspirait une sorte de crainte indéfinie et oppressante, pire que celle de la tombe ou du charnier. Presque aussitôt retentit la voix impressionnante qu'aucun des malheureux qui l'ont entendue ne pourra jamais oublier. Elle tonna du haut du ciel telle une condamnation, et les fenêtres vibrèrent et ses derniers échos. Et les fenêtres vibrèrent à ses derniers échos, pardon. Elle était profonde et musicale, puissante comme les notes graves de l'orgue, mais malfaisante comme les livres interdits des Arabes. Ce qu'elle disait, aucun homme ne saura le répéter, car elle parlait une langue inconnue. Mais voici ce qu'écrivit Luc Fenner pour rendre les intonations démoniaques. « Dismiss, jesset, bon, desefe, duvema, enitemos. » Jusqu'en 1919, personne ne put rattacher cette grossière transcription à rien de connu dans le savoir humain. Mais Charles Ward blêmit en y reconnaissant ce que Pic de la Mirandole avait dénoncé en frémissant comme la plus abominable des incantations de magie noire. À ce prodige maléfique sembla répondre de la ferme de Kerwin une clameur où le long cri reprit en un cœur indiscutablement humain. Après quoi, la puanteur inconnue se compliqua d'une nouvelle odeur tout aussi intolérable. Puis vint une plainte nettement différente qui se prolongea en hurlements, s'élevant et décroissant alternativement. Elle devenait par moments presque articulée, bien que nul auditeur n'y pût discerner de mots précis, et à un moment donné, elle parut proche à l'extrême d'un fou rire diabolique. Il y eut enfin un cri de totale, ultime épouvante et de pure folie, arraché à quantité de gorges humaines. Un cri fort et clair en dépit des profondeurs dont il devait jaillir. Puis les ténèbres et le silence régnèrent partout. Des spirales de fumée âcre montèrent obscurir les étoiles, mais on ne vit aucune flamme. Et l'on constata le lendemain que pas un bâtiment n'était détruit ni endommagé. À l'aube, 2 messagers effrayés aux vêtements imprégnés d'odeurs monstrueuses et indéfinissables frappèrent à la porte des Fenner et demandèrent un baril de rhum qu'ils payèrent d'ailleurs à un bon prix.
L'un d'eux dit à la famille que l'affaire Joseph Kirwan était terminée et qu'il ne fallait plus parler des événements de la nuit. Si arrogant que sembla l'ordre, la mine de celui qui le donnait bannit tout ressentiment et lui prêta une redoutable autorité. De sorte que ces lettres discrètes de Luke Fenner, bien qu'il ait instamment prié son parent du Connecticut de les détruire, restent seules à rapporter ce que l'on vit et entendit. La négligence du correspondant qui sauva les lettres après tout a préservé cette affaire d'un bienheureux oubli. Charles Ward eut un détail à ajouter à sa longue enquête auprès des habitants de Pawtuxet sur les traditions ancestrales. Le vieux Charles Slocum lui dit que son grand-père connaissait une étrange histoire de choses déformées et carbonisées trouvées dans les champs une semaine après qu'on eut annoncé la mort de Joseph Kirwan. Si la rumeur restait vivante, ce que ce cadavre, disait-on, du moins ce qu'on pouvait voir, brûlé et tordu comme il était, ne semblait ni tout à fait humain, ni vraiment proche d'aucun animal que les gens de Pawtuxet aient vu ou rencontré dans leur lecture.